Chantal, I'm a nurse, I'm educator, and I am ready to working for helping people to understand to the traduction, on dit vulgariser ou adaptation speak. Okay, so je fais de mon mieux. For helping the people to have difference, okay, to learning, okay. Just this is the subject for this video is the protection, okay. So very important. This is a est un gant très résistant, okay. Is one tongue glove. On sait que glove, c'est gant. Glove ici, GLOVE. On sait que c'est ça ici. Puis on sait que le gars ici, GANT, c'est ça ici. OK? This is the name to the company. So this is the name to the company. OK? Just before to working to the supérieure résistance to household chemical and puncture latex free. C'est un gant en nitrile, OK? Un gant ici. G gant. GANT, OK? Celui-ci est en nitrile. Donc avant les travaux, très résistant, supérieur aux produits chimiques ménagers et aux perforations. Sans latex, parce qu'il y a des intolérances ou allergies au latex. Très important, pardon, de se protéger les mains avant le nettoyage, le récurage. On fait le nettoyage, le récurage. Après la besogne qui a sali ou bien avant la préparation d'un comptoir ou d'un lieu qui doit être très propre avant la stérilité ou les soins ou la manipulation de nourriture ou bien de matière qui va servir à des soins. OK? Je vais amener concrètement ce que je veux dire. Donc, avant de faire à manger, c'est très important. On appelle ça l'hygiène alimentaire. OK, il y a un cours, tu peux suivre un cours pour en hygiène alimentaire ou ce qu'on appelle aussi. Donc, avant de commencer à faire à manger, c'est très important de couvrir sa tête d'un filet ou d'un capuchon. Pour pas qu'il y ait des cheveux. Les vêtements doivent être propres. Normalement, c'est pas de vernis à ongles, puis les ongles coupés aussi. Ça va être un professeur en hygiène alimentaire ou un cuisinier, un professeur cuisinier qui va dire ça. Mais tu dois faire ça à la maison aussi, OK? Donc, avant de faire à manger, il faut nettoyer la surface, il faut nettoyer le comptoir, OK? Il faut que tu portes des gants. Je veux plus que tu fasses les choses à main libre, OK? Tu vas tout le temps porter les gants et les gants vont demander aussi un soin d'hygiène parce que c'est pas tout le temps jetable, OK? Le moins possible, on essaie de pas faire des choses qui sont jetables, OK? Donc, cette paire de gants-là, elle est assez appréciée. Je l'ai choisi de cette couleur-là parce que ça va avec le reste. Moi, j'aime bien faire des ensembles de couleurs parce que je travaille en éducation. Okay? Donc, pour l'hygiène, dans l'exemple, avant de manger, bien nettoyer la surface là où tu vas préparer les aliments et là aussi où tu vas manger. Ça, c'est pour la nourriture. Okay? Pour les soins humains, c'est pareil. La baignoire, c'est avant d'aller dans la baignoire, tu laves avant, OK? Et après, mais surtout avant qu'il faut se laver. C'est comme les mains. Avant d'aller aux toilettes, c'est avant d'aller aux toilettes qu'il faut laver ses mains, OK? Et après, c'est toujours before and after. Go to washing your hands, brush your nails, OK?
and so make some precaution to cut or brushing, okay? After you put the protection, if you use the scratch, okay, the attention scratch, Rita soap cleaning, okay, so this is the example, okay? Never to make some manipulation if you don't have a glove, okay? So you just to looking, it's so very important, okay? This is the basic that you supposed to know. And this is so funny to understand to English. I want to make some, you go to production video for practice. This is very funny. And after you go to say, hello everybody, I have conception to video for what's the teaching to do with so precaution, sterility, alimentaire before and after to preparation foods. If you don't have to bad up the sick contamination, okay? Ça goûte pas bon. Faut bien rincer, so go to wash with the water after, so bien rincer, okay? This is for, pas pour la nourriture, celui-là, non. Ça, c'est plus pour la cuvette, la baignoire, le lavabo, d'utilité ou dans le garage, okay? Pas pour le comptoir alimentaire, non. Pas celui-là. Il faut regarder, c'est un art, hein? Les gens qui aiment, il faut aimer le produit. Aimer le produit, c'est un art d'aimer la matière. C'est très important de savoir la matière puis de savoir calculer. Oh, pendant que j'y pense, tu sais, tiens, je vais mettre ça de côté. Je vais mettre ça de côté. Parce que pendant que j'y pense un instant, j'avais eu l'idée, j'ai dit, ah, parce que je voulais jouer avec, faire des vidéos avec le monsieur, un monsieur qui fait, un monsieur banquier. Donc, le banquier, j'ai dit, ça prend au moins quatre figurines, pour, en business. So, business, Kent, vois-tu, on a les Kent de l'armée, on a les Kent de construction, on a les cannes de plongée sous-marine, on a les cannes de premier métier, mais on n'a pas le Jai Joe qu'on dit Monsieur Jai Joe, ok? Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Un beau Jai Joe, mais là, coupe pas ses cheveux, ok? Puis tu peux l'habiller en monsieur, puis là, j'avais pensé à quelque chose, là, mais en tout cas, ben, je vais le fabriquer tantôt. Fait que, là, ce que je voulais dire, j'avais d'autres choses importantes à dire. C'est pas le temps, à quel âge qu'on fait les... Ah oui, c'était ça. À quel âge, ok, parce que, attention, parce que c'est sûrement pas après le boire, ok, qu'on va venir faire des pètes de soeur sur le bedon. Je pense pas que c'est après l'alimentation, ni à jeun non plus. Ça peut spasmer l'estomac, ni après. Donc, c'est comme le temps le plus favorable pour chatouiller, ok. Non. Pas toi. Ma tante, là, non, tu viens pas chatouiller bébé. Puis mon oncle non plus, ok? Tu viens pas faire des pètes de soeur sur le ventre de mon bébé. Puis si je dis non, ok? Puis que ton conjoint a chéri avec tes plates, là, d'avoir rejeté mon oncle de même, là, je te laisse décider, ok? C'est pas, s'il fait pas partie, là, du club du spa des homosexuels, s'il y a mieux mon oncle qui pue, qui pète, puis qui est contaminé, puis qui te repousser mon oncle pour pas qu'il fasse sur le bébé 3 mois, si tu préfères mon oncle, va-t'en avec mon oncle. Oh oui, je suis drastique, comme ça, ben, elle va le savoir, là, de toute façon. Hey! Fait que... Dans l'équivalence du café équitable. J'avais-tu d'autres choses à dire? C'est celle-ci, non. Parce que là, j'étais à 9 et 23. Si tu veux faire des beaux petits biscuits, ça sera pas là.